Quatrième leçon, parmi les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Les catégories du monothéisme et celles du polythéisme. Il y a trois catégories de monothéisme, à savoir l'unicité dans la seigneurie, tawhid al-rububiyyah, l'unicité dans la divinité, tawhid al-uluhiyyah, et l'unicité dans les noms et attributs, tawhid al-asma'i wa sifat. Quant à l'unicité dans la seigneurie, tawhid al-rububiyyah, c'est d'avoir la conviction qu'Allah, exalté soit-il, est le créateur de toutes choses, qui administre tout sans aucun associé dans cela. Quant à l'unicité dans la divinité, tawhid al-uluhiyyah, c'est avoir la conviction qu'Allah, exalté soit-il, est l'adoré en toute vérité, al-ma'boud, sans aucun associé dans cela. Ceci est le sens de la ilaha illallah, sa signification étant « Nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, la ma'bouda bihaqqin illallah ». Tous les actes de culte comme prière, jeûne et autres doivent être voués sincèrement pour Allah seul, et il est interdit de vouer ne serait-ce qu'un seul d'entre eux pour un autre que lui. Quant à l'unicité dans les noms et attributs, tawhid al-asma'i wa sifat, c'est avoir la conviction en tout ce qui a été cité dans le Coran et dans les hadiths authentiques comme noms et attributs. Les affirmer à Allah seul, de manière qui lui sied, sans altération, ni rejet, et sans effectuer de ressemblance. Pratiquant en cela la parole d'Allah, exalté soit-il, « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » dit « Il est Allah unique, Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. » Certains savants ont divisé le tawhid en deux catégories, tout en faisant entrer l'unicité des noms et attributs dans l'unicité de la seigneurie. Et il n'y a pas de contestation dans cela, car le résultat est le même dans les deux cas. Il y a trois catégories de polythéisme, al-shirk, le majeur, al-akbar, le mineur, al-asrar, et l'imperceptible, al-khafi. Le polythéisme majeur, al-shirk al-akbar, il entraîne nécessairement l'annulation des bonnes actions et le châtiment du feu éternellement pour celui qui meurt tout en l'ayant commis. Allah, le Très-Haut, a dit « Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Wala in ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. » Il dit aussi, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Et celui qui meurt dans cet état, il ne lui sera jamais pardonné. Il ne lui sera jamais pardonné et le paradis lui sera interdit, comme Allah exalté soit-il a dit. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il a dit aussi, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Parmi les formes de ce polythéisme, l'invocation des morts et des statues, leurs supplications, leur vouer des vœux et des sacrifices ainsi que d'autres adorations. Quant au polythéisme mineur, الشرك الأصغر, c'est ce qui a été nommé dans les textes du Coran et de la Sunna associationnisme, sans qu'il n'atteigne pour autant le statut du polythéisme majeur, à l'exemple de l'ostentation dans certaines actions, riya, le serment par un autre qu'Allah, al-halifu bighayrillah, le fait de dire par la volonté d'Allah et celle d'un tel, le prophète sallallahu, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la chose que je redoute le plus pour vous est le polythéisme mineur,
akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. On le questionna à son sujet, il répondit, c'est l'ostentation, ar-riya. Il a dit aussi, celui qui jure par autre qu'Allah a associé, man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. Il a dit aussi, ne dites pas par la volonté d'Allah et celle d'un tel, mais dites plutôt par la volonté d'Allah puis celle d'un tel. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique selon Hudayfa ibn al-Yaman. Cette sorte d'association n'entraîne pas l'apostasie et ni l'éternité en enfer. Cependant, elle contredit le monothéisme complet obligatoire. Quant à la troisième sorte, le polythéisme imperceptible, ash-shirk al-khafi. Sa preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous informerai-je de la chose que je redoute le plus pour vous, que je redoute le plus pour vous que l'antéchrist? Oui, ô messager d'Allah, dirent les compagnons. Il dit alors, le polythéisme imperceptible, ash-shirk al-khafi, c'est quand l'homme se lève et accomplit parfaitement sa prière en vue de l'observation d'autrui. Il est possible de diviser le polythéisme en deux catégories seulement, le majeur et le mineur, l'imperceptible pouvant s'introduire sous ces deux types. Il peut être majeur à l'exemple de l'associationnisme des hypocrites qui dissimulent leurs fausses croyances tout en faisant apparaître leur islam ostensiblement, craignant pour leur propre personne. De même qu'il peut être mineur à l'exemple de l'ostentation, comme il est rapporté dans le hadith de Mahmoud ibn Labid al-Ansari qui a été cité plus haut, ainsi que le hadith d'Abi Sa'id, et Allah est le détenteur de la réussite.